Il y a plus grand aujourd'hui. Taf Power. Et ouais, j'ai fait ramener le camion d'un copain. On lui a installé une rampe de phare avec 5 Oscars. Parce que monsieur veut pas faire comme tout le monde. Bon, voilà le matos à installer. On va installer ça sur ça. On va bien s'amuser. Bon, il dénude déjà le fil. Hein. Comme ça, on va pouvoir glisser tout ça bien. Du coup, on a regardé pour les 5 Oscars. Il va falloir que je coupe là, que j'enlève celui-là. Et du coup, on va avoir une fixation avec un trou là pour se refixer sur la rampe, sur la fixation là. Et on va prendre la fixation là avec la tige de cet Oscar là, en espérant que j'ai des écrous assez gros. Donc, bah, on va se couper tout ça. On va s'attaquer au démontage de l'Oscar là, le débrancher, pour après pouvoir le couper à peu près là. On va regarder comment on fait. Mais ça va être le plus simple. On est déjà pas très serré. On découpera, mais ça va bien se passer. On va couper le fil proprement derrière. De toute façon, on va falloir tous les couper pour les remettre sur l'autre. J'ai envie de te dire, c'est pas bien grave. On va découper la barre, la protection, c'est très important. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à faire le repérage du faisceau. Donc du coup, là on a trois couleurs de fil, donc un rouge, un marron, un noir. Donc je pense que le noir doit être la masse, mais on va refaire le repérage avec le bon vieux chargeur de batterie pour trouver le plus veilleuse et le plus plein phare. Du coup là on va se tester pour vérifier le câblage. Donc on part du principe que le noir c'est la masse, le marron du coup on teste, la veilleuse qui s'allume un peu faiblarde, et le rouge à longue portée. Donc du coup, noir masse, marron veilleuse, rouge longue portée. Comme ça, c'est réglé. Maintenant qu'on a repéré tous les petits fils, on va se fixer la rampe. Alors, on regarde dans la boîte magique. Je crois que c'est celui-là qui devrait y aller. Bingo. Non, l'écrou il est un peu gros celui-là. Voilà, on a notre écrou pour se fixer. On va démonter l'écrou de celle-là pour pouvoir la fixer là. Et du coup on va se fixer déjà la rampe dessus, ensuite on va faire tout le branchement du faisceau et après il n'y aura plus qu'à monter sur le câble. Bon, le problème qu'on a rencontré c'est que du coup le trou est presque bien calé, sauf que du coup quand on se reporte là, et ben, ça frotte. Donc du coup je vais agrandir légèrement celui-là pour pouvoir avoir un petit peu de place et regagner pour pouvoir rentrer en passant bah, plus ou moins avec les fixations déjà faites, donc avec le trou là et avec la vis de fixation de l'Oscar là sur la rampe. Là, je vais avoir besoin de ton concours. Du coup, là, on a fixé la barre avec les 5 Oscars, parce que monsieur voulait 5 Oscars, 5, hein, pas 4, pas 6, 5. Donc, on a fixé la barre. Là, c'est repris avec un Oscar. Là, on a repercé pour faire une fixation de plus. Et là, c'est fixé de l'autre côté. Donc, le tout monté avec vis et couperin. Du coup, on va aller à la popote. Et puis après, on se branchera le faisceau de la rampe sur les Oscars. Et puis bah, après, il n'y aura plus qu'à monter sur le camion. A few moments later. La nuit est tombée. On a sorti les grosses lumières. Là, du coup, on va connecter chaque Oscar sur sa prise de faisceau connectée à la rampe. Et ensuite, on viendra monter la rampe sur le camion, passer le fil, et du coup, demain, on rentrera, on rentrera dans la cabine, du coup, pour pouvoir installer le relais, le bouton et tout le faisceau qui va dans la cabine. Voilà, il faut souder tout ça. On est rendu à travailler à la lumière des bougies. Bon, la lumière des bougies, ça ressemble pas vraiment à une bougie, ça. Alors, du coup, ça, c'est la masse, on a dit. J'ai failli oublier le plus important, mettre la gaine avant. C'est honteux. Et à cause du vent, regarde avec quoi je suis rendu à travailler. Je suis obligé de souder au chalumeau. Et... c'est bien soudé. Du coup, qu'est-ce qu'on avait dit? Le 1. Non, ça c'est le 2. Le 1, longue portée. Et le 2, veilleuse. Comme ça, on sera d'accord sur tout le long. Le 1,
longue portée. Donc sur le rouge. Match later. Comme tu le vois là, il fait tout noir et je m'apprête à aller faire tomber la visière de celui-là pour qu'on puisse fixer la rampe. La visière elle est pas compliquée, hein. Il y a quelques vis. Comme ça là ce soir, on installe la rampe, on rentre le câblage et demain on attaque tout le faisceau intérieur. Vous vous rendez compte quand même, ce dévergondé conduit un nudbus. On appelle les Hendek. Y'a les Hendek qui arrivent. La visière est tombée. Il n'y a plus qu'à prendre la rampe, aller la positionner, l'installer. Et puis rentrer tout le faisceau qui est là dedans. Et on câblera ça demain. Parce que là, il se fait tard. Là, on visse les supports de fixation de la rampe. Après il n'y aura plus qu'à dévisser les supports de visière pour récupérer les vis pour remettre ça dessus et la rampe sera fixée. Ensuite on rentre le câblage à l'intérieur et ça sera fini pour ce soir. Faut s'amuser à tomber les écrous là pour pouvoir ensuite les réutiliser, remettre les supports de visière et mettre les supports pour la rampe. Ça va être sympa. Bon voilà le résultat, la rampe est montée avec la visière. Là on va passer le faisceau dans le joint de pare-brise, enfin dans la gouttière de pare-brise, donc là il faut qu'on recoupe un peu plus haut pour passer fil par fil, rentrer le faisceau sous la calandre par la boîte noire pour ressortir dans la boîte à fusible. Après avoir passé les fils le long de la baie de pare-brise et du coup le long de la gouttière de pare-brise, on les ressort là dans la calandre, on va rentrer par la boîte à fusible pour aller à l'intérieur et du coup brancher tout le faisceau qui sera fait demain. Il est 1h30 du matin. On arrête là pour ce soir. On a mis en place la rampe, rentré les fils à l'intérieur. Demain, il n'y aura plus qu'à faire le faisceau pour l'alimenter. Et puis, ça sera bon. Donc, à demain. Jour 2. On va s'attaquer au faisceau ce matin. On a peut-être pour quoi, 1-2 heures, je dirais. Alors, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on s'attaque au faisceau. Là on a tous les fils de la rampe qui ressortent, donc le jaune et vert là c'est la masse. Non. Et ensuite là on a les... Ah, pardon. Voilà. Et ensuite là on a les différents plus, donc veilleuse et longue portée, donc pour chaque Oscar. Donc en sachant que chacun d'eux, je sais pas si trop on va le voir à la caméra, mais chacun d'eux est numéroté, donc de 1 jusqu'à... je crois que c'est jusqu'à 6, un truc comme ça. Donc du coup il y a un petit plan, il y a un petit schéma pour le repérage en fait de à quoi correspond quel numéro, en sachant que tous les 1 qui sont là-haut, puisque là-haut ils sont numérotés de 1 à 2 sur chaque Oscar, tous les 1 c'est la longue portée et tous les 2 c'est la veilleuse. Donc du coup on va se repérer ça, rassembler tout pour pouvoir brancher sur un seul fil, du coup tous les plus veilleuses, tous les plus longues portées sur un seul fil, la masse, et du coup après on va tout câbler avec le petit relais qui est là pour pouvoir mettre ça, il n'y aura plus qu'à récupérer l'impulsion de plein phare. Donc voilà le petit schéma. Est-ce que le focus veut bien se faire? Bon, on va regarder d'un peu loin. Donc du coup sur le petit schéma on voit bien, donc pour le 2A par exemple, donc le faisceau 2A, le 1 c'est le plus, donc sur la numérotation en bas le 1 c'est le plus aussi, et le 2 correspond au fil numéro 3. Donc du coup bah on va faire tout le faisceau comme ça pour tout rassembler au fur et à mesure. Bon alors là c'est un peu particulier parce que du coup j'ai bien regardé la petite étiquette là, sauf que bah j'ai 9 fils qui arrivent là, sur l'étiquette j'ai 9 fils, mais là j'ai que 8 numérotations. Donc j'ai séparé par rapport à l'étiquette, donc en gros il y aurait 3 plus veilleuses, 3 plus longue portée, 3 masses. Donc je vais vérifier ça en faisant des tests, donc c'est pour ça que j'ai sorti la petite batterie, et après on va mettre un repérage du coup pour savoir quel fil correspond à quel fil. Donc là on a dit c'est le 4, c'est censé être un plus. C'est quoi, c'est le 6. Le 6 c'est censé être un plus veilleuse, le 8 c'est censé être une masse. On va mettre un petit peu de scotch. A few moments later. Là regarde, tu dois avoir une longue portée qui s'allume. Ouais,
Ok, c'est laquelle? Ok. Ok, donc du coup, on n'est pas trop mal. Et bon, on va continuer à se repérer comme ça. Ah, j'ai bien fait le repérage. Donc là, j'ai mes trois masses, mes trois puces et mes trois puces EIS. Enfin, mes trois puces sur une portée et mes trois puces EIS. Donc du coup, là, on va tout rassembler en un seul fil pour après faire le montage du coup avec le relais. Reprendre le plus 24 qui sort d'ici normalement et du coup bah après monter tout le tout fait ça. Ensuite il faudra juste que je soulève un peu la cabine pour prendre un plus une impulsion pardon de plein phare. Là, j'ai rassemblé toutes mes masses, tous mes plus longues portées sont là, donc là je suis en train de préparer le faisceau avec les cosses qui vont aller au bout pour pouvoir se monter sur le petit relais. Ensuite, je vais reprendre mon alimentation que je vais monter avec mon porte-fusible. Et il me restera plus qu'à aller reprendre le plus plein phare, donc directement dans le plein phare, pour le remonter là et du coup le brancher aussi sur mon relais. Bon, du coup, là on passe au passage de câble. Je vais tirer avec mon aiguille pour rentrer le câble. Ah bah oui, surtout s'il se bat. Du coup, il faut que je ressorte le câble là-bas pour aller à l'interrupteur de commande. Là j'ai déjà ce qui part à la rampe, ce qui part du plus qui est là, qui va être branché là-dedans. Et du coup là je vais tirer la connexion à l'interrupteur et ensuite on va tirer à partir du plein phare, l'impulsion de plein phare pour aller là. Comme je disais, on va se reprendre sur le plus du plein phare, donc le plus qui est là. On va ressortir du cache, remonter tout le long pour atterrir dans la boîte à fusibles, du coup ce qui va venir faire la commande du relais pour dire au relais ferme-toi, laisse passer le jus pour allumer la rampe là-haut. Donc là on a bien notre fil rouge d'impulsion de plein phare qui remonte, là qui va rentrer dans la boîte noire, donc le fil rouge est là, on va le repasser à l'intérieur, donc il va venir donner l'impulsion au relais, on va ressortir un fil pour la masse du relais et puis du coup bah après il n'y aura plus qu'à tout brancher et à faire les tests. On monte toutes les masses du coup qui vont venir se fixer bah, comme les autres là dans le rack de masse prévu à cet effet. Donc là il y a la masse du relais et la masse de la rampe. Bah ouais, fait tomber les coffres. Bah ouais, avec l'inflation ça coûte pas assez cher. Avec le vent, ça marche jamais correctement. Voilà. Et on va remettre un autre petit bout de gaine. Je vais récupérer. Voilà. On remet un autre petit bout de gaine, du coup, juste sur le bout de la cosse pour vraiment la protéger au maximum. Et une masse de brancher. Il n'y a plus qu'à faire le reste. Là, on a branché notre relais, donc avec l'entrée et la sortie. Le bouton est branché. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire les tests, voir si ça marche. Alors là, du coup, on a branché tout notre relais. Bon, les alimentations ne sont pas encore branchées. On fait juste une vérification. Un petit coup de plein phare pour voir si ça claque. On entend bien le claque, le relais marche bien, tout est bien branché. Donc on a bien l'impulsion de plein phare qui est là, donc qui revient du bouton de longue portée, qui lui prend son impulsion en bas dans le directement au niveau de l'ampoule et donc du coup là après on va connecter les alimentations et puis voir si toute la rampe marche. Alors après un travail acharné, voilà le résultat, c'est magnifique. Bon, voilà un peu le résultat. Donc là on a pris l'alimentation là sur le plus 24 qui arrive, donc sur un branchement propre d'origine, fusible de 20 ampères parce qu'on n'avait pas de 15 ampères sous la main, donc on a mis un 20 en attendant. Donc le plus part au relais, ressort pour aller alimenter la rampe de phare, l'impulsion de plein phare vient directement de l'ampoule de phare côté droit, donc qui remonte en direct le long de la calandre pour venir ici et venir donner l'impulsion au relais. Ensuite il y a une masse, la masse du relais part à la masse de la rampe part dans le rack de masse également dans la boîte noire, et du coup après on a le petit bouton là pour la mettre en route, et puis voilà, et c'est une affaire rondement menée. That's really impressive. Wow, bravo, wow.
Allez, bonne route. Salut. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura été utile. On a bien bossé, hein. Le copain est content, sa rampe est montée. Et puis bah, si ça a pu vous être utile et vous aider à monter votre rampe, et bah, c'est super. Donc je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Tchuss.